you, I'm sorry. I don't mean to bother, but figured I gotta try. And you say you're busy, but I don't believe you. It's keeping me up at night. The way my emotions keep turning around, can't keep it inside, no. Here we go, we go, we go. And let the roller coaster ride begin. Here we go, we go, we go. Already told you I won't let you in. Same old story of my life. You run, but I need you in my life. I've been told to take a hint, now I'm fine. Cause I wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you, you. Cause I wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you, you. Wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you, you. Cause I wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you. Cause I wanna be led by you. Wish I was a winner. She still wears my heart on her shoulder. Oh man, that's killer. She knew I had nothing left to lose and everything to prove. I just wanna be led by you. Here we go, we go, we go. And let the roller coaster ride begin. Cause I wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you, you. Cause I wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you, you. Wanna be loved by you, you. I wanna be loved by you. Donc là, je vais faire un jus de carotte, citron, gingembre et ananas. Alors, carotte, citron, gingembre, je vais le faire dans mon extracteur de jus. Et après, je vais mixer avec le blender l'ananas. Ici j'ai préparé une petite eau détox. Alors dedans il y a des concombres, des feuilles de menthe, du citron, des morceaux de gingembre et du curcuma. J'ai aussi mis un petit peu de poivre parce que je sais pas si vous le savez, mais les bienfaits du curcuma ne fonctionnent que si vous le mélangez avec du gingembre ou du poivre. Donc c'est ce que j'ai fait dans cette boisson. Donc là je l'ai laissé poser toute la nuit et là maintenant je vais mettre des glaçons pour que ce soit un peu plus frais, parce que voilà, ça se boit frais, c'est meilleur. Bon les gars, là je suis un petit peu sortie dans le jardin. Ouais, j'ai quand même fait pas mal de trucs aujourd'hui. Donc après avoir fait le sport, ben, j'ai préparé à manger, j'ai fait le jus, j'ai pris ma douche, donc j'ai fait mes cheveux. J'ai passé l'étape du maquillage, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai pas trop envie, donc je sais pas. Je vais un petit peu libérer mon lapin pour qu'il gambade un petit peu dans le jardin. Ça lui fait du bien et comme il fait beau, ben, je le laisse un peu sous surveillance bien sûr, parce que j'ai peur qu'il s'égare en fait. Viens. Ah bah bravo.
Juste pour info, c'est qu'un nounours, hein. Allô. Ça y est, il est en forme du lapin. C'est un autre jour et aujourd'hui, bien comme je vous l'ai dit hier, j'attends ma maman pour aller à l'hôpital parce qu'elle a un contrôle à faire aujourd'hui et on est obligé d'y aller. Et c'est moi qui vais l'accompagner. Vous avez vu hier que j'ai fait un masque pour ma maman et ce matin j'en ai fait un pour moi-même parce que je dois me protéger aussi. Du coup voilà, je vais vous montrer celui que j'ai fait pour moi. Tada ! Comme je vous l'ai dit, je suis pas couturière donc voilà, ça va, je me suis bien débrouillée quand même. Donc voilà, j'espère que ça va nous protéger. Ben, on va prévoir de mettre des gants, de rien toucher à l'hôpital. Ça va être vraiment très spécial, très bizarre. Mais voilà, je suis un petit peu curieuse quand même de voir un peu l'ambiance à l'hôpital. Mais bon, j'aurais préféré éviter d'y aller évidemment. Mais voilà, il faut que j'accompagne ma maman, c'est comme ça. Donc voilà, là je l'attends et puis ben, on va aller à l'hôpital. Alors je voulais vous montrer ces petits bijoux de chez Purley. Alors c'est vraiment une pépite. Déjà j'adore la boîte, c'est trop mignon, trop chou. Voilà, c'est présenté comme ça. Et les petits bijoux arrivent dans des petites boîtes comme ça. Une main, c'est difficile. Voilà. Donc, c'est comme des petits tiroirs. Donc, je trouve ça vraiment très chou. Donc, voilà. C'est une paire de boucles d'oreilles. Et ils ont des colliers, mais magnifiques. Regardez comme c'est trop, trop, trop mignon. J'ai hâte de les essayer. Je suis vraiment super contente. Alors, il y a celui-ci. Celui-là, il est trop, trop chou. Et alors, ces petites boucles d'oreilles. Vous savez, ça reste vraiment sur le lobe de l'oreille. C'est trop mignon. J'adore. Enfin, je sais pas. Leur packaging, c'est trop mignon. Voilà, vous savez, les mettre comme ça. Ça s'empile bien l'un sur l'autre. Ça prend pas beaucoup de place. Et en même temps... vos bijoux sont bien protégés. Vous voyez, ça fait un peu comme si c'était des petits tiroirs. Ça se voit que c'est des bijoux de qualité et les prix sont vraiment raisonnables. Alors les gars, je viens de vous filmer une vidéo. Et cette vidéo, je vais la poster dimanche. C'est une vidéo avec un message très, 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 très important. Je dis pas ça pour faire des vues, pas du tout. Je veux que le message passe. Je fais un coup de gueule de dingue. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo. Mettez-le dans votre agenda ou cliquez sur la cloche de notification. Mais regardez cette vidéo s'il vous plaît, comme ça après vous pourrez aussi faire passer le message, c'est vraiment important. Donc s'il vous plaît, ne ratez pas cette vidéo, c'est pas du tout pour faire de la pub pour ma chaîne ou pour ma vidéo, pour avoir des vues, pas du tout. Oui je veux beaucoup de vues pour cette vidéo parce que je veux que les gens voient cette vidéo, je veux que les gens entendent ce message, c'est hyper important et une fois que vous l'aurez entendu, faites passer le message autour de vous. C'est très important, c'est incroyable, c'est scandaleux. Voilà, regardez la vidéo jusqu'au bout. Il y a des infos incroyables dans cette vidéo. J'ai un peu les nerfs là, vraiment. Vous comprendrez mieux pourquoi quand je posterai la vidéo. Mais voilà, là, il faut que je me calme. Je pense que je vais aller m'installer dans le jardin. Je vais me faire un thé pour changer. Pourquoi faire un café parce que je suis déjà trop énervée. J'ai pas envie de m'exciter encore plus. Je vais me poser un petit peu au soleil et voilà. En fait, il fait pas chaud du tout. Mais quand je suis là, installée exactement ici, en face du soleil, franchement, ça va. Mais c'est pas grave. Je me suis installée un peu dans le jardin. Je vais un petit peu me poser, écouter les oiseaux, lire mon bouquin. Voilà, sous. Ça va me faire du bien, ça va un peu me changer les idées. Sinon, une chose que j'aimerais bien encore faire, que je dois faire d'ailleurs, ce serait de me débarrasser de tout ce qui est gros manteau, gros pull, etc. Parce que je pense que ce ne sont plus des choses qu'on mettra. J'ai des grands trucs de chez Ikea là qu'on met au-dessus des armoires. Je ne sais plus parler. Et en fait, moi, je fais ça. Je plie tous les gros manteaux là et je les mets au-dessus des armoires parce que j'ai pas de place pour tout stocker. Et ça, j'aime bien en été parce que ça fait respirer un peu ma garde-robe. Parce que les vêtements d'hiver, ça prend de la place, hein, mine de rien. Par contre, je dois transverser, bon ça c'est encore un peu tôt, mais tout ce qui est bottes et sortir mes sandales, mes escarpins, etc. Et ça j'en ai beaucoup par contre. Ouais. Il va falloir trouver de la place. Il y a du boulot encore. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Salut les gars, alors voilà, je vous reprends. J'ai fait mon sport et là je suis en train de boire mon shaker. Délicieux.
Alors il faut que je vous dise, je teste un nouveau truc, mais je vous en parlerai plus tard si j'en ai des bons résultats. Et en fait, voilà, là il est midi et je n'ai pas bu un seul café. Bon, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, mais moi et le café c'est toute une histoire. Ne pas boire un café le matin, c'est impossible. Et là je teste une boisson à l'aloe vera, une boisson énergisante qui va justement me donner toute l'énergie dont j'ai besoin, qui est composée de bonnes choses, pas comme un café quoi. Voilà, à midi normalement moi j'ai déjà bu 4 cafés et là j'en ai pas bu un seul et franchement j'en ai même pas envie. Alors avec ce que j'ai bu ce matin, bah, j'étais en pleine forme, j'ai pas senti le besoin d'en boire et j'en ai pas bu, voilà. Ça veut pas dire que je ne vais plus jamais boire de café, loin de là, mais je pense que je vais sérieusement diminuer la dose si ça fonctionne comme je le veux. Ouais. Par rapport à ce que j'utilise pour faire mon sport, alors entre autres il y a l'élastique, il y a les petits poids que je mets aux chevilles, et alors ben, il y a le kettle band, je pense que ça s'appelle comme ça. Enfin, tout ce que j'utilise pour faire mon sport, je vais vous mettre des liens en barre d'infos où vous pouvez aller les acheter comme ça. Comme pendant ce confinement les livraisons se font toujours et que je pense que nous serons encore confinés pour un petit moment, et bien ça vaut la peine de les commander et vous les recevrez en 3-4 jours et au moins vous pourrez faire votre sport à la maison. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie de faire votre sport sérieusement et d'avoir quand même des petits trucs pour vous aider. Donc voilà, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos les gars. Là je bois mon shaker mais d'ici une heure on va certainement manger, donc je vais tout doucement aller préparer pour ce midi. Et voilà. Donc voilà, pour ce midi, je vais manger du poulet avec des patates douces et une petite salade à côté. Voilà, je commence à avoir faim du coup, parce que j'ai juste bu mon shake. Et là, il est quand même 15h et là, j'ai un petit peu faim quoi. Bon les gars, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. À part, ma belle-sœur m'a demandé de lui coudre aussi un masque. Donc j'étais occupée pendant quelques heures avec ça. J'ai aussi été faire des courses au Carrefour. Il y avait une de ces files. Mais une de ces files, un truc de malade. Mais bon, il me manquait certaines choses. Bon, j'évite de sortir, mais bon, voilà. Quand il me manque des choses, j'ai pas le choix. Donc, j'ai été acheter quelques trucs pour faire manger. Et voilà, pour ce soir, on va se faire juste, je crois, une petite salade avec avec du thon. Je sais plus quoi vous filmer, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un vlog de quelques jours. Je pense que c'est mieux comme ça. Et parce que sinon j'ai pas assez de contenu. Là je crois que j'ai mérité un bon café. Là il est 16h, j'en ai pas bu un seul. Et là je crois que je vais boire un bon café. Mais ce sera le seul de ma journée en fait. Donc c'est génial, moi qui en bois au moins 6 par jour. Bon, je bois aussi beaucoup de déca hein, je veux dire mes 3-4 premiers cafés du matin c'est du café. Et puis après c'est, si j'en bois encore 2-3 ce sera du déca. Mais c'est beaucoup trop je le sais. Et voilà, je suis accro au café, j'adore le café donc. Mais là voilà, ce sera mon seul café aujourd'hui, c'est quand même génial quoi. Enfin je sais pas, voilà. Bon, je vais aller me faire un bon petit café et voilà.